好機は逃せない。俺の肉体に不可能はない。俺のスピードを見せてやる。芸術的なサッカーを見せてやる。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo news. Captain Tsubasa Dream Team, les 4 chevaliers du soleil de minuit endurcis par la science. Pourquoi? Quand tu lis World News, tu sais pourquoi. Parce que la Suède possède plusieurs docteurs avec des ordinateurs, etc. pour mesurer la force physique, etc. etc. Donc voilà. Donc on a pu... moi je viens de finir World News. Au moment où ça a été annoncé, j'étais en plein dedans, j'étais en plein match Japon-Suède en quart de finale. Voilà. Voilà, donc c'était petit clin d'œil. Est-ce qu'on va tenir World News jusqu'à décembre? Peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Hein. Il y a les Suédois. Il y a le Misaki PVP, il y a le nouveau Gentile potentiel, on a les Français, les trois joueurs français, Amoro, Bossi et Pierre, gratuit potentiel aussi. Et je crois qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Ok, donc là, comme tu as pu voir, pour si tu ne me suis pas sur... Ah oui, il y a le Tanabata. Donc le Tanabata, c'est un Matsuri au Japon. Donc un Matsuri, je t'explique vite fait, c'est un festival, hein, c'est un festival, c'est une fête. Le Tanabata, généralement les Japonais s'habillent en yukata. Donc le yukata, c'est le kimono d'été. Donc c'est un kimono un petit peu léger. La fête, il décore les bambous. Des décors les bambous, donc c'est très festif, c'est très joli, etc. Donc voilà, sympa. Donc on a des récompenses et je crois qu'on a même des missions, je sais pas quoi. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc 7 tickets R+, on les craquera tout à l'heure ensemble. On a bon, un carnet UR max et on aura 15 Dream Ball en tout. Donc c'est sympa, toujours sympa. La copine de yoga. Allez, ça c'est bon. Ok. On va dans cadeau. Normalement, voilà, je reçois les cadeaux de yoga. Donc malheureusement, j'ai pas été. Ah oui, on a eu les récompenses de club. Merci club de yoga. Hop. Voilà, des Dream Ball, ça fait plaisir. Donc oui, donc je disais, le Tsubasa, si tu ne me suis pas sur Twitter, et ben le Tsubasa est tombé. Le Tsubasa est tombé sur une single, j'avais 5 dB. Il est tombé, je ne sais plus c'était quand, lundi, lundi ou mardi. J'étais au boulot, donc j'avais 5 dB, 5 dB gratuites, je suis parti, et il est tombé. C'est pour une fois, j'ai eu de la chance. Regardez-moi comment il est magnifique quand on bouge. Donc voilà donc oui, ah oui, la Coupe d'Europe, donc une Coupe d'Europe PVP un peu dans le style de comment il s'appelle de Roberto, que j'ai pas réussi à avoir. Il fallait top 4000, malheureusement j'étais top 5000 ou 6000 et quelques. Alors voilà. Ah non, ça c'est la... Oui, apparemment, il y a quoi? Il y a une... C'est quoi ça? C'est le jeune petit potentiel? Ou recrutement, je sais pas. Ouais, non, recrutement... D'accord. Bon, ça, on est au... ça, on les connaît. On va revenir, s'il veut bien. Donc, beaucoup de choses à voir. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement, même si je prends beaucoup mon temps. donc, le recrutement, il est terminé, normalement, du Japon. Là, on est actuellement en plein Japan Expo. Donc, demain, samedi, le Dream Championship, IRL. Donc, voilà. Donc, ça va être sympa. Ça va être très sympa de voir les poteaux.
Allez, joueur. Beaucoup de choses à voir, les amis, aujourd'hui. Beaucoup de choses à voir. Hop, répertoire. Et répertoire. Et on va aller au premier. Voilà. Alors, le Misaki, il est là. Collection. Et normalement, ça doit être l'un des derniers. Voilà, il est là. Donc, SSR, UR Max. Il est potentiel. Donc, on va directement à la carte potentielle. On passe prendre la tête sur le UR Max. Alors, il a 983 d'endurance. Donc, il est bleu. Il est double poste, milieu offensif et milieu défensif. 983 d'endurance, c'est sympa pour un joueur gratuit. Je le répète, il est gratuit si tu es bien classé. 20 000 en attaque, donc 6758 en dribble. 7049, c'est pas mal pour en tir. 6221 en passe. En défense, on va pas détailler, c'est très faible. 15 600 en physique. En rapidité, pas trop mal. Et technicité aussi. Puissance, voilà. Peu bizarre. Le tir est à 7 000, mais la puissance est à 4 600. Bon, voilà. Ballon bas, très bon. Donc, il devra peut-être avoir une reprise. Et ballon haut, normal. C'est le samouraï de la ville lumière. Pourquoi? Parce que Mizaki va jouer à Paris, normalement. Il donne à tous les... Alors, ça, par contre, quand j'ai vu ce team skill sur Twitter, c'est un très bon team skill parce qu'il peut jouer dans une jab comme il peut jouer dans une Team Europe. Il donne 10% japonais et européen. Ah ouais, d'accord, c'est pas ou, c'est et. Donc ça veut dire que si demain vous faites une team Jap Europe, bah le Misaki il est indispensable dans cette méthode. Ah ouais, il est indispensable. Alors là, c'est un nouveau team skill que je découvre. Bonus victoire en duel. À chaque fois qu'une victoire est remportée en duel, tous les paramètres, plus 5% jusqu'à 3 fois maximum. D'accord. Donc ça veut dire que si tu prends 3 fois la bonne décision, tu peux monter, tes paramètres peuvent monter jusqu'à 15%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, si je dis bien les choses, ça veut dire que, par exemple, dès le début du match, tu fais 3 bonnes décisions. Je crois, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise, tu finis le match avec plus 15% jusqu'à la fin du match. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc ça veut dire que si tu as fait 3 bonnes actions pour la mi-temps, tu finis la mi-temps avec 15% et tu fais la deuxième avec 15% encore. Enfin, tu finis avec 15%. Et là, par contre, ça se bloque à 15%. Voilà, ça se bloque à 15% jusqu'à la fin du match. Donc tu peux pas aller jusqu'à 20 ou 25 ou 30. Ok. Donc il a 3 SP, donc c'est sympa. Donc le dribble classe mondiale, on le connaît. 255. Il a le duo avec Napoléon qu'on connaît aussi, qui est farmable, B60. Et la passe magnifique à 80. Très très sympa. Il n'est pas influencé par les terrains cabossés. Il donne à tous les Européens plus 2%. Il remplit la cage pleine puissance, le full power 10%. Plus il y a de joueurs en opération, plus les paramètres augmentent. Donc jusqu'à 5%, donc quasiment 1% par joueur, plus lui. Et il donne 5%. En fait, lui, il est parfait pour une Jap Europe. Si demain tu veux monter une Jap Europe, il est parfait. Ok. Allez, on tergive. Franchement, pas mal. Pas mal pour le joueur, pour un joueur gratuit, c'est. Il est très 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 sympa. Faites pas attention, c'est ma fille. Elle veut regarder Papa Pig. Pour l'instant, papa travaille, entre guillemets. Tac, 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 tac. Nesrine, va là-bas. Va là-bas. Alors, on va avancer, hein. Alors, voilà, ils sont là. Le Pierre, il est là. Tac. Alors, on va voir le Pierre gratuit à monter. Il est là. Potentiel. On va dire tout un potentiel. On va pas se prendre la tête. 500, 581. Voilà. Milieu offensif, milieu défensif rouge. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un Pierre rouge. Ouais, ça faisait longtemps. 18 193, 193. 7 172 en dribble. Très très bon pour un milieu, pour un défenseur, pour un. Bon, joueur gratuit, pardon. 5 236 en tir, 5 785 en passe, donc un pur dribbleur. 14 000 en défense.
tacle et interception. Physique 15 862. Voilà, et le reste normal. Alors, avec au moins 3 joueurs de chaque type, tous les paramètres plus 7%. Donc ça veut dire qu'il est dans une... Ouais, donc lui c'est dans une Rimbo, quoi, n'importe laquelle. Donc lui il donne un team purement Rimbo, il donne 7% à tous les joueurs. Et bien évidemment, il a l'intensité plus 25% sur les spécés comme on a eu pour les joueurs Jap à monter. D'accord. Donc il a le dribble C artistique 145, le tir glissant et le gros tacle. D'accord. Ok. En potentiel, % d'effet de diminution, d'accord, européen de type force. Ok. Augmentation de mouvement. D'accord. Ah d'accord. Donc quand dribble, il va plus loin. D'accord. Tueur de joueurs européens World Juice, plus 25%. D'accord. Et tueur de joueurs tech, 5%. Sympa. Sympa le pire, mais même. La stamp, c'est pas ça. Hein. Ok, on est back, les amis. Donc maintenant, Bossy. Bossy. Donc, bien évidemment, un joueur. Voilà. Carte sympa. Sympatoche. 528 d'endurance. Attaquant. 18 433. 7 940, 7 944 en tir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 5002 en dribble. Défense, à part le tacle, le reste ça reste light. Physiquement c'est pas mal, 5000 plus rapidité, 5009 en puissance, donc ça c'est pas mal. Et technicité 5000, oui, voilà. Bon. Voilà. Donc lui il a le même passif que Pierre et que Amoro qu'on va voir tout à l'heure. Lui aussi, s'il y a au moins 3 joueurs de chaque type, donc bleu, rouge ou vert, il prend et il donne 7%. Et il a l'intensité plus 25% sur ses PC, pardon. Tir sauvage, c'est 40, 190. Donc en fait, quand tu vois le coup de l'aspect, donc tu comprends qu'il a pas beaucoup de stam. Tête plongeante et un gros tacle. Voilà. Allez, on va voir le gardien. Le premier gardien. Ouais, il a une tête bizarre. Hein. Amoureux, il a vraiment une tête bizarre. Donc le premier Amoro UR. Hein. Allez. En mode potentiel. 523 en endurance. Coup de poing, donc c'est un puncher. 6924. 5582 en arrêt. 17 026 en physique. 6 256 en rapidité. Puissance 5511. Ouais, c'est rapidité avec coup de poing, ça va ensemble. Tixiné 5559. Ok. Donc lui, il a exactement le même team skill et même passif que les deux autres, sauf que lui, par contre, il prend 50%. D'accord, 50%. Ok. Coup des deux poings et arrêt avec les tripes. Donc normalement, je crois que là, avec les tripes, c'est la même animation que Moridaki. Il est bleu, bon, c'est pas. Peut-être pour un gardien remplaçant dans une team Europe. Peut-être. Mais il y a beaucoup on a beaucoup de gardiens, enfin beaucoup. On a nos gardiens Europe, hein. On a Hernandez et Müller. Donc malheureusement, sur Amoro. Ne fera pas le poids. Allez, on va aller voir le jeune Tillet potentiel qui m'intéresse fortement. Donc, on a eu le potentiel bleu, on a eu le potentiel rouge Dreamco, et maintenant on a le potentiel rouge qui date des années. Voilà. Par contre, on a deux cartes. Laquelle est la bonne? D'accord. J'ai l'impression que c'est celle-là. Peut-être que je me trompe. Juste regarder. 1034. Ok. Voilà, c'est celle-là aussi. Voilà, ça doit être la même chose.
Ah, parce qu'il y a le fond Halloween en fait. D'accord. Il y a le fond Halloween. Ok. Allez. 1034 d'endurance. Très très bien. Parfait. Attaque 14890. Donc 4009 en dribble. 4008 en tir et passe 5114. Donc il a la passe du dandy. Défensivement 20120. 6622 en tacle, 7146 en contre et 6352 en interception. Donc ça reste un contreur. Ça reste le gros contreur. Il a le passif normalement. Il s'est pas éjecté par le ballon. 17257. Rapidité 5149. Puissance 6854. Donc très bien pour le contre. Et 5556 en technicité. Voilà. Alors, il donne toujours, voilà, ne fait pas résister. Il donne à tous les Européens 10%. Donc, très très bien ce jeune stylé pour une Team Europe. Contre du dandy, 390. Et la passe du dandy. Donc, si tu arrives à lui à donner un tacle du bleu. Bon, je l'ai eu. J'ai eu le tacle du bleu en doublon. Donc, je lui ai mis le tacle S. Ça fait bien l'affaire. Ça fait. C'est propre. Et je crois que c'est aussi le dribble puissant. J'ai mis le dribble puissant au cas où. Si je tombe sur un attaquant qui n'a pas de tacle, ben je peux peut-être lui faire un dribble. Alors voilà les compétences potentielles. Donc il ne subit pas la neige. Très bien. Enfin, les effets de la neige. Réduction de 5% des émissions par mètre face aux Européens. D'accord. Il donne à. Paramètres augmentés. Il donne à tous les Hernandez 5%. Donc si tu as un Hernandez dans ton équipe qui est assez fort, bah, il va lui racheter 5% supplémentaire. Et par contre, c'est un tueur de Aoi. Donc, est-ce que ça peut faire le café face à Shingir? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, lui, il est parfait pour... voilà. Par exemple, si tu as ce gentil est là, tu as le Akai bleu potentiel. Déjà, tu as deux joueurs qui vont faire mal à Shingo. Et c'est un tueur d'endurance pour les Japonais. Endurance. Plus 30%. D'accord. Donc en fait, quand les. D'accord. Quand un Japonais sera face à lui, quand il va utiliser une spé. Et eh bien, ça va lui coûter 30% supplémentaire. C'est énorme, ça. Il va faire mal. Donc, le mieux, c'est de faire peut-être une spé blanche pour pas tuer sa stam. Donc, face au Jap, il tue des stams. Ouais, sympa, l'éveil du potentiel, sympa, mais c'est pas un truc de fou furieux non plus. Hein. C'est pas. Voilà. C'est un tueur de Shingo, ça, c'est. Ça peut être sympa, c'est une nouvelle arme contre Shingo, mais. Ouais, c'est un. Ouais, je sais pas. Je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Excusez-moi, les amis. Alors, allez, on va voir les Suédois. Les nouveaux. Les vides en premier. Je fais par ordre, hein, les amis. Je prends pas la tête. Il est là, le nouveau Levin. Après le Levin LR que je vous ai présenté. Maintenant, le nouveau Levin et le nouveau Levin potentiel vert. D'ailleurs, pourquoi vert? Je me pose la question. Il y a 40 000 Levin vert. On n'a qu'un seul Levin rouge, c'est le Dreamfest. Pourquoi il n'est pas rouge? Je me pose complètement la question, mais bon. Double poste, milieu offensif, milieu défensif, World Youth, 1085 d'endurance, parfait. 17583 en attaque. Donc, c'est pas un tireur, donc c'est plutôt un passeur. Peut-être même je le mettrais peut-être milieu défensif parce que bon, c'est un très bon tacleur 6107, dribble 6093, ouais, tir 4000, donc c'est pas avec lui que tu as tiré. Par contre, en passe en relance, c'est pas mal 7392, c'est pas mal du tout. Bon, contre, bon, voilà, tout oublie, interception. Voilà, même si on verra tout à l'heure dans les compétences de potentiel qu'il a une interception automatique, je crois de 50%. Physique 18 425.
Rapidité 5008, 5006 en puissance et quasi, presque 7000 en technicité. Ballon haut et bas, normal. Bon, voilà, ça on s'en fiche. Donc, lui, plus il y a de joueurs européens verts et il prend 15%. Enfin, il donne 15% à lui-même et aux 7 joueurs verts Europe. Donc, ça peut être pas mal pour pour un nouvel méta Europe. Vert, enfin couleur, là ça peut être sympa. Maître de la zone centrale, un peu comme comme il s'appelle, comme le Pierre World Cup 2 étoiles. Donc la zone centrale, c'est voilà, c'est pour ça que je vous dis, je pense que lui il vaut mieux jouer milieu défensif. Comme ça, au moins il va avoir le ballon, il va le monter, il sera dans la zone, il a le passif activé. Et là, tous ces paramètres prennent 15%, ce qui est vraiment énorme, quoi. Plus tu rajoutes les 15% de leader skills, plus d'autres leader skills, ces spé peuvent monter très très vite, hein. Très très vite. New Levin Pass, 240. Feinte Aurore Boréale, le dribble, qui fait Tsubasa, etc. Qui fait lors du match, 220. Et interception Aurore Boréale, ça c'est une nouvelle par contre. 325. Qui est assez cher quand même. Qui est assez cher. Donc lui, il n'est pas influencé. Enfin, il est résistant au terrain cabossé. Il debuff tous les joueurs européens. Donc adverses, bien évidemment. Hein. Pas ses joueurs à lui, mais adverses. Donc c'est un tueur de joueurs européens. La cash full power augmente de plus 5% quand tu gagnes un duel. Et il donne à tous les soldats 5%. Donc bon. À part lui-même, peut-être que tu vas jouer. Bon, on verra les autres. On verra les autres. Bon, il y a le Larsen rouge qui est dribbler qui est très très fort. Le Broly le plus fort, je crois, c'est un Dreamco. Je crois, ouais, je crois c'est le Dreamco. Là, oui, ça peut valoir le coup. On va voir les autres, mais bon, voilà. On verra les autres. Et quand il est dans la zone centrale, auto-interception à 50%. 50%, l'aspect peut être activé. Bien évidemment, ça ne coûtera pas de stam. Sympa. Sympa le Levin, le nouveau Levin vert. Très sympa. Mais est-ce que de là, tuer ses Dream Ball pour lui, ça c'est vous qui voyez, les amis. Le Broly, le premier Broly tireur, avec son Rising Bazooka. Hop. Voilà, il est là le Dreamco, il est vert. Donc là, le nouveau Broly, il est rouge. C'est le deuxième Broly rouge du jeu. 923 d'endurance. 14630 en attaque. Double poste. Milieu défensif et défenseur. À souligner. Bon, 3000 en dribble, t'oublies. 7369 en tir. Donc gros tireur. 4243. Il pourrait être pas mal dans une équipe. Il pourrait être pas mal pour le time attack. Pour le scénario où on doit marquer avec des défenseurs. Peut-être. Ça peut peut-être faire le café. 16672 en défense. Ouais, à part le tackle, le reste, c'est light quand même. Hein. C'est light. Hein. Même le compte 5300, c'est light. Par contre, lui, il n'a pas dévié du potentiel, je crois. Ok, 20 000 en physique, pardon, par contre, pas mal. Physique, pas mal. Puissance 900, 9 000, pardon, 372. Wow, pas mal là, en termes de puissance. Balle au bon. Ok. Donc, lui, il donne à tous les joueurs européens en rouge 17%. Donc là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et quand il est en full power. Il prend 20%, un peu comme le passif du nouveau Diaz. Le nouveau Diaz bleu. Donc frappe, Rising Bazooka 415, qui peut monter jusqu'à 450, en S99, contre musclé 360 et passe musclé 170. Ouais, tu peux lui mettre un tacle. Tu peux peut-être lui mettre un tacle aussi. Tacle musclé, je crois, ou tacle haute forte puissance, je sais pas quoi.
Donc ben, avec le SR, tu peux lui monter un tacle A. Donc voilà. Voilà. Un tacle A, il a un contre. Interception. T'as l'interception forcée, mais bon. Voilà quoi. Voilà pour ce Brolin qui n'a pas de potentiel. On va aller voir Frédéric. Ah, il y a beaucoup de joueurs à voir aujourd'hui, les amis. Beaucoup de joueurs à voir. Il est bleu. Lui non plus n'a pas de potentiel. Il est milieu offensif. 890 en endurance. 20 408. Gros dribbleur. 7796. 7050 en tir. Pas 5111. Donc voilà. 13 438 en défense. Donc très très faible en tacle. Et en contre, par contre, en interception, il est très très fort. 7177. Très très fort en interception. Et en physique, 17 885, 6 430 en rapidité et puissance. Alors attendez, puissance 4000. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est puissance, il est à 4003, mais en tir, il est à 7005. Et technicité, il est à 7067. Ça, c'est par rapport à l'interception, je pense. Ok. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Ok, le passif de fou. Attends, on va voir. Donc il faut 8 joueurs européens bleus. Il peut donner jusqu'à 15% pour une type Europe bleue. Dans la zone, ah voilà. Donc il faut qu'il soit dans la zone centrale. Ah ouais, d'accord. Sous une certaine probabilité. Donc on ne connaît pas la probabilité. Ah si, 80%. Ah oui, bah, on vient de l'avoir. Ouais. 80% que l'interception soit activée dans la zone centrale. C'est très très fort. C'est très 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 fort. Parce que généralement, bah, il va être dans la zone centrale. À part si vous jouez sur le côté. Ok. Interception technique 365, donc quoi, coûte assez cher. Dribble technique 235. Passe technique 155. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ouais, il faut lui trouver un tir. Il faut lui trouver un tir. Je sais pas s'il y a un tir d'un. Ah si, si, je crois que le Frédéric rouge donne un tir. Attends. Ou le bleu, j'ai plus. Il y a un des Frédéric qui a un tir. Voilà, le tir boucle technique. Donc si vous avez celui-là un jour, eh ben vous lui prenez son tir et vous le mettez au nouveau Frédéric bleu. Voilà. Il y a le gratuit qui était là dans le Dream Po, je crois. Non, il n'a pas de tir, lui. Donc, lui, je l'ai. Pas beaucoup de Frédéric hein, dans le jeu. Le Larsson. Hop, collection. Et on va voir le dernier. Il est vert. La carte est sympa. La carte est sympa. Donc, lui, il est milieu offensif. 887 en endurance. 17 431. Oh, l'attaque, donc en dribble 6272, donc faible par rapport au rouge. Après le reste, 5003, 5008 en passe, ça se tient. Par contre, gros tacleur, 15 340 en défense, 7134 en tacle. Bon, contre, t'oublies tout de suite. Interception 5240. En physique, il est pas mal, il est très très fort en rapidité, comme la plupart des Larsson dans le jeu. Et puissance est faible, existait 500, 5760. Je vais y arriver. Lui, il donne à tous les Européens verts. Donc lui, il va parfaitement avec le Levin qu'on vient de voir. Donc Levin et lui, dans une Europe verte, ils ont leur place. Et ils vont vous donner 30% déjà. Si en plus, il y a d'autres Europe qui donnent 15% au vert. Là, tu as monté jusqu'à 45%, et là, ça peut faire le café pour les autres joueurs vers Europe qui peut être boosté assez violemment, quoi. Et lui, face au milieu défensif et défenseur, il prend 15%. Donc, dans la zone où il est, il va généralement le passif, il va passer, quoi. Parce que c'est très rarement, je pense, que tu seras devant un attaquant. Donc, tu seras. Ah oui, c'est vrai qu'elle est milieu offensif. Donc il peut tomber encore sur un milieu offensif. Donc il faut vraiment lui donner le ballon quand il est face à un milieu défensif ou un défenseur. Pour qu'il laisse son passif activé. Il attaque le supersonique. Donc ça, on s'en doutait. 390. Il a le dribble grande vitesse 210. Et la passe précise.
Donc voilà, donc lui ça plus un relanceur quoi. Ça va être vraiment un inter. Ça va être un mec. Ça va être l'un des premiers défenseurs du jeu quand l'équipe adverse va attaquer quoi. Donc ouais, c'est. À part son leader skill, le genre n'est pas ouf. Le genre n'est pas complètement ouf. Je crois qu'on a à peu près, à peu près pardon, fait le tour du jeu. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. On a vu tout ce qu'on avait à voir, les mises à pied gratuites, etc., etc. Ouais, si tu pouvais. Ok, merci. Donc voilà. Donc je vous ai présenté tous les joueurs, les Suédois, les nouveaux Français, Free to Play. Le Misek qui a gagné lors de la Cup Europe. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Comment je peux voir Attends. Attends, on va voir. Combien de classements il faut pour avoir le Misaki. Ok. Attends. Non. C'est pas ça que je veux voir. Ok. Classement. Classement. Ok. Ce serait bien que ce soit pas 4000 quoi. Donc bien évidemment le premier il aura le Misaki, ça c'est sûr. On va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Ah voilà, 4000. 4000. Il faut être dans les 4000, 4000 pour avoir le Misaki parfait pour une team Jap et Europe. Et deux Dream Ball, trois ballons SSR sympa et deux tickets R+. Ok, on va juste regarder très rapidement les missions. Normalement, il doit y avoir des missions événements spécial Tanabata, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est bien ça. Donc rejoindre Confédération. Donc on a 5, donc ça tu vas l'avoir d'office. Et si tu réalises toutes les missions, tu as 5 Dream Ball, 2 tickets retrait technique et 10 tickets R+. Donc voilà, donc il va falloir que tu dépenses tout, je sais pas quoi, faire des matchs League, faire des matchs PVP. Ok, d'accord, ça c'est bon, on le sait. D'accord. Ok, de toute façon, voilà, il faut bien évidemment, il va falloir faire le Pierre, le Amoureux et le Bossy jusqu'à UR Max. Et voilà, donc ah, c'est pas mal. Hein. Il y a vraiment des belles récompenses à récupérer. Il y a des médailles Rimbo, etc. Ok. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des joueurs. J'aime bien le nouveau Misaki. Misaki gratuit, j'aime bien. J'aime pas mal. Et je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de la chose. J'ai peur d'oublier quelque chose. J'ai un peu peur d'oublier quelque chose. Voilà, Coupe d'Europe. Ok. Et ben c'est bon les amis. Voilà. Donc Japan Expo, j'y serai de samedi toute la journée pendant le Dream Championship. Donc je serai là pendant de midi jusqu'à la fin du Dream Championship. Et voilà, donc si vous me voyez, bah, allez, venez me voir, hein, je ne mords pas, il n'y a pas de souci. Et on se laisse là-dessus. Je vous kiffe et à la prochaine. C'était Letko pour vous servir. Ciao.